Salut chers abonnés, et nous vous revoyons encore dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vais vous amener cette antibiotique très efficace que vous ne pouvez jamais manquer dans vos maisons. Il s'agit bien de l'huile d'olive organique mélangée avec de l'ail. Donc, cette remède, c'est une antibiotique très puissante qui vous aide à traiter l'hémorroïde, à traiter la constipation, faire pousser le chevet. Ça traite plusieurs maladies à la fois. Vous pouvez checker sur Google et vous allez tout comprendre. Donc, sur ce, je vais prendre une gousse d'ail que je vais couper en petits morceaux. Et puis, je prends ma bouteille de l'huile d'olive. J'enlève juste un peu pour avoir de l'espace qui va me permettre d'introduire de l'ail à l'intérieur. Voilà comment j'ai coupé mes ailes en petits morceaux et puis je l'ai introduit dans la bouteille. Je vais bien le mélanger et le fermer, le laisser se reposer pendant 2 semaines avant l'utilisation. Donc voilà, c'est tout. Ça qui a déjà de l'huile, de l'ail, ça fait plusieurs jours, ça fait une année pour moi cette bouteille. Ça, c'est de l'huile d'olive vierge que je viens de mettre l'ail maintenant. Donc, ce traitement, je disais, c'est vraiment très efficace pour l'hémorroïde. C'est très efficace contre la constipation et puis ça fait pousser les cheveux, ça purifie le sang, ça traite même l'hépatite, ça traite même les douleurs articulaires. Et puis c'est vraiment très efficace pour l'hypertension, le problème cardiaque, le rhume, c'est vraiment très efficace, ça traite plusieurs maladies. Donc pour l'hémorroïde, aujourd'hui je parle bien de l'hémorroïde et la pousse des cheveux, vous allez mettre 1 cuillère à soupe. Et vous allez boire 3 fois par jour ou 2 fois. Et puis vous allez encore mettre un peu dans un coton, bien mouiller le coton avec de l'huile qui est déjà restée pendant 2 semaines. Pour moi, ça fait une année déjà. Et puis vous allez introduire dans l'endroit, dans l'anus. Et puis vous allez le faire 2 ou 3 fois par jour jusqu'à ce que vous aurez les résultats souhaités. Et vous pouvez aussi le mettre dans le chevet, comme je le fais maintenant. Ça fait pousser le chevet et ça vous donne une texture bien propre, une couche chevelure propre, pas de truc blanc qu'on appelle l'auto et un consort. Vous aurez vraiment des cheveux très clean et très propres. Donc, essayez cette remède et vous allez beaucoup aimer. Quant à vous qui êtes un peu difficile pour prendre de l'huile comme moi, je l'utilise juste dans les cotons et puis je le mets dans l'endroit où il y a l'hémorroïde ou la constipation. Il ne faudrait pas oublier de bien nettoyer l'endroit avant de le mettre. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Merci pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bye.